Bonsoir à chacun, bonjour, salut, ça dépend d'où vous me recevez. J'espère que vous allez super bien. À travers ce tuto, je vais juste vous montrer. Je vais vous montrer les grandes institutions, les grandes personnes morales, ou bien pourquoi pas les personnes physiques avec qui vous allez sur le marché forex ou bien sur le marché des indices synthétiques. En bref, vous faites le trading. Alors, ceux-là, beaucoup, beaucoup, bon, tout comme vous, il y a de cela quelques années derrière nous, j'avais cru, je pensais qu'on peut aller sur le marché et aller et ramasser seulement les dollars et retourner. Non, ceux-là, ils sont là pour prendre encore davantage nos sous si nous ne savons pas faire. C'est très important. C'est pourquoi 99% des traders débutants, ils perdent leurs sous sur le forex ou bien sur les indices synthétiques et ils retournent sur d'autres marchés boursiers. Donc, ici, regardez bien, quand vous prenez les grandes institutions, je dis bien, les grandes institutions qui interviennent sur le marché financier, sur le marché boursier, c'est-à-dire sur le forex, le trading, nous avons les grandes banques de ce monde, les grandes banques. Et quand vous fouillez bien, vous allez voir que de A à Z, il n'y a aucune banque africaine. Non, cela prouve tout simplement combien ce marché-là est dense. Cela prouve tout simplement combien ce marché-là est énorme. Mais toi, à travers les brokers, à travers les courtiers, nous avons accès. Nous avons accès à ce marché-là. Mais comment faire pour gagner un peu? D'accord? Comment faire pour gagner un peu, ne serait-ce que 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, voilà, etc., 30 dollars, etc., par jour sur le marché financier, que ce soit le forex ou bien les indices synthétiques. Moi, je vais vous parler des indices synthétiques parce que c'est là que je respire, c'est là que je me sens extrêmement à l'aise parce que lorsque vous allez sur le marché des indices synthétiques, surtout boom and crash, alors c'est plus aisé. C'est plus aisé parce que si vous savez, vous savez, si vous avez un minimum de secret, c'est-à-dire les points d'entrée et les points de sortie, contactez-moi immédiatement, contactez mon équipe immédiatement et nous allons mettre à votre disposition alors les points pivots. En fait, quand est-ce qu'il faut aller sur le marché? Quand est-ce qu'il faut sortir? Ramassez, prenez votre part et quittez le marché. Donc, juste après la visualisation, de ce tuto, de cette vidéo. Alors, il faut nous contacter tout simplement à travers les adresses déposées en bas pour rentrer en possession donc, du tableau ou bien du document dans lequel se retrouvent ces points pivots-là, suivis d'un coup sur la psychologie du trader, la psychologie du grand trader. Donc, tu auras un coup sur la psychologie des grands traders et les points pivots, tout simplement. Maintenant, si tu n'as jamais fait le trading, si tu ne connais rien en trading, si tu as seulement le niveau CEPE, c'est largement suffisant. Nous allons vous aider à créer donc le compte, à créer le compte non seulement chez le broker, Deri.com, Binary qui est devenu Deri.com, mais aussi lier ce compte-là à la plateforme MetaTrader 5 et du coup, comment prendre position, comment couper les intérêts, tout ça là. On va vous aider à comprendre ces choses en une, 2 semaines. Au plus, la théorie et la pratique, vous auriez déjà terminé et nous mettons par la suite à votre disposition. Alors, le document là dans lequel se trouvent les différents points pivots, c'est-à-dire les points de sortie, les points d'entrée, les points de sortie, et tout simplement vous venez devant votre écran. Alors, notre indicateur fétiche, lorsque l'indicateur arrive sur ce point-là, vous prenez position. Tu prends position, tu attends ça, poids, tu ramasses, tu attends encore, ça vient, poids, et puis voilà, tu quittes le marché. Regardez un peu les banques là, les grandes institutions. Il y a aucune banque, il n'y a aucune institution africaine. Non. Ça prouve combien ce marché-là est dense, tout simplement. Donc, ce n'est pas du jeu. Si quelqu'un pense que le trading, c'est du jeu, alors la personne se trompe. Ici, vous avez les différentes institutions. Regardez bien, vous ne verrez pas une institution africaine dedans, non.
Ça, c'est d'autres institutions. Donc, voilà. Mais nous, toi et moi, on va sur le marché, les grands hommes qui agitent le marché. Toi et moi, on va sur le marché, tout simplement, à travers ce qu'on appelle les brokers, à travers ce qu'on appelle les courtiers. Alors, rendez-vous au sommet. Contactez-moi immédiatement. Contactez mon équipe pour prendre la clé de votre liberté financière. Rendez-vous au sommet.